J'essaye ta caisse exceptionnel. Et pour qu'il y ait toujours des j'essaye ta caisse exceptionnel, abonnez-vous et activez la cloche, s'il vous plaît. Voilà. Bah oui, parce que c'est grâce à vous qu'il y aura des vidéos exceptionnelles. Sans vous, pas de j'essaye ta caisse exceptionnel. Donc c'est hyper important. Voilà. Et alors, ce qui est exceptionnel aujourd'hui, c'est que j'ai mis les chaussures de la couleur de la bagnole. Et donc, j'invite Antoine tout de suite, le propriétaire de ce formidable combi. C'est pas juste choupinou. Bah si. Putain, c'est trop mignon. Aspirateur infâme, il paraît. C'est vrai, un aspirateur ouais. À gonzesse. Ils se font chier à s'acheter des féfés, des lambeaux, tout ça. Eh ben voilà, achète un combi, mec, voilà. Et t'es sûr d'attirer les meufs. Sur la route, il y a des gens qui me doublent, ils sont comme ça. Et devant, t'as des belles voitures. Rien. Faut... Alors la légende raconte... Tu la connais? Bah je crois. Vas-y, je te laisse faire. Surtout pas à me reprendre si je dis une connerie. La légende raconte qu'en 1947, l'importateur néerlandais de Volkswagen, Ben Pon ou Bampon, on s'en fout comment ça français, se prononce. Français, c'est Bampon. Bampon en français, voilà. Visite l'usine de Wolfsburg. Wolfsburg, l'usine Volkswagen, où pour le moment, seule la coccinelle est fabriquée. Et il voit un petit engin qu'ont fabriqué les ouvriers pour transporter les palettes, qui est une espèce de plateau, moteur arrière, cabine reculée. Et là, il se dit, putain, l'idée, elle est pas con du tout. Moi aussi, je fabriquerais bien une espèce d'utilitaire, un peu. T'as bien travaillé le sujet. T'as vu ? Mais j'aime pas raconter des histoires. La vache. Et là, le mec, sur un petit calepin, il dessine un truc. Putain, mais même moi, je saurais le dessiner. Il y a quatre roues et c'est un truc rond, comme ça. Et là, le PDG de Volkswagen, il lui dit, ton truc, c'est juste génial. Et en 49, il décide de signer, 1949, et là, est lancé les premiers prototypes, les dessins, les nanani nanana. Il est présenté en 1949, mais dans sa version définitive pour être commercialisé au Salon de Genève, 1950. Et là, le combi est né. Il y a une petite base quand même de coques. Tout, parce que c'est une caisse autoporteuse, ce que n'est pas la coque. Donc, il y a quand même des gènes de coccinelle dedans. Ce qui est train roulant. Tout ce qui est train roulant, c'est coccinelle. C'est ça. C'est là que ça se complique. Parce que le produit, il plaît tellement qu'après, il y a eu un nombre incommensurable de versions. Chez Volkswagen, la coccinelle, c'est la type 1. C'est parce que c'est le premier produit. Le deuxième produit va s'appeler type 2. Le deuxième produit, c'est le transporteur. Le transporteur, c'est le combi. Et on l'appelle T1. T1, c'est pas comme type 1, c'est parce que c'est transporteur 1. Exactement. Donc c'est pour ça que partout, il ne faut pas se mélanger entre type 2 et T1. Donc, parce que T, c'est le T de transporteur. Le vrai nom, c'est Kombinationenwagen. C'est ça. Ouais. Et donc combi, c'est la... C'est la diminution, ouais. Ouais, la diminution, parce que Kombinationenwagen, c'est un peu chiant à dire. C'est un peu bourré. C'est foutu, c'est mort. C'est bien ton truc. En Allemagne, notamment, ils l'appellent Bully. Bully, ouais. Parce que ça ressemble à un bulldog. C'est ça. Faut avoir un peu d'imagination, mais ça ressemble à un bulldog. En 2001, Volkswagen décide de surfer sur cette vague néo-rétro telle que la New Beetle, telle que la Fiat 500, telle que la Mini, et décide de refaire le combi. 21 ans plus tard, enfin il va sortir cette année. Ah bah tu vois. Normalement, en version 100% électrique. Toi, de quelle année date-t-il? Moi, il est de 65. Jusqu'en 67, si je ne m'abuse, celui-ci est fabriqué. Ouais. Et on le reconnaît avant tout. Sa gueule de bulldog, et c'est surtout ça là, ce dessin. Ouais, qu'on voit pas trop à cause de la peinture. Ouais. Et puis les deux fenêtres. Et voilà, le split widow, il y a deux fenêtres. Parce que le modèle d'après, il a
B-Window. Voilà, B-Window. Selon la légende, encore une fois, j'aime bien dire selon la légende, que ça, je suis pas emmerdée, je dis pas que c'est moi qui le dis. C'est la légende qui raconte. C'est la légende qui raconte que ce seraient les Américains qui, pour différencier toutes les versions, se sont pas fait chier et ont compté le nombre de fenêtres. Les différences qu'il y a sur les bus, par exemple, tu prends un 61, ça va être un petit haillon, la vitre arrière est plus petite. D'accord. Et les clignotants sont des clignotants obus. Ok. Avant 1960, en Europe, les charnières sont en haut. D'accord. Parce que les indicateurs de direction, c'est des flèches qui étaient dans les montants. Ok, très bien. Mais comme aux États-Unis, ils ne voulaient pas de flèches, ils sont restés sur des clignots obus. Donc, quand tu vois par exemple un combi petit haillon avec des petits feux, oui. C'est avant 1960. D'accord. S'il a les charnières hautes mais qu'il a des clignotants, c'est que c'est sûrement un modèle américain. D'accord. S'il a des flèches, c'est un modèle européen. Donc, il y a vraiment toujours plein de différences. Waouh. Et 67, par exemple, le Commodore de plein fer au pied. En 67, il passe à la main. Attends, le Commodo de plein phare était au pied, oui. Tu faisais des pleins phares avec ton pied. Bah tu vas le faire tout à l'heure. Non, on fera des appels. C'est génial, j'ai jamais vu ça. Demain, tu fais des appels. C'est une petite pédale à gauche. Ouais. Et donc, il y a eu aussi plein de versions. Donc, alors, 21, en fait, 23. Par exemple, les 21, donc c'est ceux qui avaient les petites fenêtres là. Ouais. Et pourquoi 21, pourquoi 23 par exemple? Bah comme on disait, les petits haillons. Ouais. Comme ils avaient des haillons plus petits. D'accord. Parce que là. Mais ils pouvaient mettre des fenêtres dans l'angle. Oui, il y en a certains qui ont des fenêtres dans l'angle. Voilà, bah, le haillon est grand, ils ne pouvaient plus mettre de fenêtres là. D'accord. Donc ils sont arrêtés là. Ok. Donc bah, les deux fenêtres qui disparaissent là. D'accord. 23 très moins bien. 2, 21. Ok. Voilà, donc c'est une question d'époque. Et en fait, les 21 étaient souvent, même c'est appelé, les Deluxe. Ils avaient les baguettes, oui, chromées. Effectivement, avec plein de chrome. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Donc c'est les Deluxe en fait. Le 11 fenêtres, comme celui-là, c'est ce qu'on appelle le microbus. Oui. Souvent 9 places. Ouais. Et puis après, tu as les tolés. C'est quoi les tolés? Il n'y a pas de vitre. Ah utilitaire. Oui, parce qu'il y a eu utilitaire complètement tollé sans aucune vitre. C'est ça. Et il y a eu aussi en version pick-up. Il y a eu pick-up, double, ouais, cabine, avec simple des... cabine. Ouais, et avec des... tu pouvais mettre une bâche. Tu pouvais mettre une bâche avec un arceau, ouais. Parce que c'est un utilitaire avant tout. C'est ça. Voilà. Le campeur est arrivé de toute manière plus tard. Hein. Ça est arrivé dans les années 56. C'est Westphalia qui a commencé ça. Eh mais le fameux Westphalia. Voilà. Alors Westphalia, c'est une société allemande qui à l'origine travaillait dans les voitures pour les chevaux. Grosso merdo, un c'est peu ça. Comme Carman. Et puis, la légende raconte... la légende raconte qu'un Anglais aurait un jour demandé à aménager l'intérieur de son transporteur, de son T1, un peu comme son bureau. Et donc, de là, ça aurait commencé et on dit Westphalia ou Westphalia? Westphalia, moi, je dirais. Je sais pas, vu que c'est allemand, ce serait pas Westphalia? Ouais, Westphalia, ouais, peut-être. Ouais, ouais. Je sais pas. Ça dépend, c'était vénère, Westphalia. Ouais, Westphalia, c'est allemand. Yavol. Si le combi a cartonné en mode camping-car, c'est grâce à Westphalia, c'est directement. Ça. Westphalia, c'est surtout démarqué parce qu'ils ont fait les premiers toits, ce qu'on appelle les toits champignons, donc relevables. Qui se lèvent. C'est ça. D'accord. Donc tu pouvais avoir une habitabilité dans ton bus, tu pouvais te tenir debout. Ok. Ce qui est, bah, tu vas voir quand tu monteras dedans, en fait, on ne tient pas du tout debout. Dedans, comme ça. La légende raconte aussi que c'est grâce aux combis qu'ont été inventés les camping-cars. Ouais, c'est fort probable. Faut savoir que le combi aujourd'hui a une cote d'amour de dingue. Ouais. 25 ans en arrière, t'allais sur un meeting Volkswagen Air Cooled avec un combi, qu'est-ce que tu fais là? Non. Les gens ne voulaient pas des combis. Moi j'ai des potes en 95-96 qui ont acheté des combis, 700 balles, 700 francs. Oh merde! 700 francs, 1000 francs, 1200 francs. Ah putain, aujourd'hui je crois que c'est pas ça. Non, j'ai un pote qui a acheté un 21 fenêtres, ouais. De luxe, peinture d'origine, qu'il l'a toujours aujourd'hui, 6000 balles. Ah ouais? Aujourd'hui ça vaut 70-80 000 euros peut-être. Non! Si. La peinture d'origine, jamais restaurée, le véhicule il est sorti d'usine tel qu'il est là. Moi on a trippé sur le mien parce que on voulait faire un croche-pied à la tendance actuelle un peu bobo qu'a le oui, combi. Oui, oui. Aujourd'hui ça a une valeur marchande de dingue. Est-ce que les pièces se trouvent facilement ou pas? Ouais, bah justement par des sites internet, hein, malheureusement aujourd'hui ouais. Les commerces de proximité c'est de plus en plus compliqué. Oh parce que... c'est joli cette espèce de corde en tapis là, putain. C'est les sacs de café? D'accord. Eh bien oui, parce que le succès, il est instantané. Donc ils sont fabriqués en Allemagne, à Hanovre. À Wolfsburg au début. Ouais, Wolfsburg. Jusqu'à 1956. Voilà, et comme ça cartonne, ils sont obligés après d'aller en fabriquer ailleurs à Hanovre. Faire une ouais, usine merci spécifique, de m'avoir repris. Ouais. Voilà. Et fabriqués très très vite aussi au Mexique. Mexique, Brésil. Brésil. À partir de 60, si tu pas de bêtises, 63, 64. Un truc comme ça. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, en 67, quand celui-ci s'arrête, en 62, il fête le 1 millionième, je c'est crois. Ça, exactement. Et à la fin, ils en ont produit 1,8 million. La plus grosse année de fabrication du T1 au T6, c'est-à-dire de 1950 ouais, à 2020, jusqu'à la fin, ouais.
C'est 71. Alors toi, est-ce que c'est Westphalia qui a fait l'intérieur? Raconte. Ouais, c'est Westphalia de Madine Labos. Hein. Non, c'est pas Westphalia. Alors, c'est même pas moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai monté. C'est un intérieur que j'ai acheté en Belgique à un pote qui s'appelle Julien. Ce sont à la base des microbus, donc moi c'est un 9 places. Donc toi, à l'origine, un 9 places. Donc il y avait des banquettes. Deux banquettes, 3 à l'avant, 3 ouais. milieu, 3 à l'arrière. T'as installé une kitchenette. Très important. Le frigo pour les bières. Les bières fraîches. Voilà. Ouais, elles sont les bières. Elles sont sur le toit, au frais. Sur le toit, là, elles sont frais. Voilà, là, il y a les verres avec le gaz parce qu'il y a un petit réchaud. Et puis là, il y a tout ce qui est survie. Donc les freins, une bobine d'allumage, des outils. Là, il y a un cric, une clé en croix. En fait, c'est une boîte à outils. Là, c'est la boîte à outils. Et après, en dessous, et là, il y a tout ce qui est couchage, les couvertures. Différence entre les barn d'or et les splits d'après. Nous, on a une petite casquette, là. Oui. Les barn d'or. Ça suit le pare-brise. D'accord, c'est tout lisse. Et ça, okay. C'est une ventile. Ok, donc ça prend l'air là pour aller dedans. C'est presque 900 kilos à peu près. C'est ça. Alors ouais. Maintenant, c'est vrai qu'avec l'aménagement, etc., il reprend un peu de poids. Oui, ouais. La galerie, les canettes. Ah, c'est hyper important, les canettes. Voilà. Mais c'est son nom. Hein. Moi, je l'appelle la canette. Il s'appelle la canette. Bah, ceci dit, tu vois un truc rond plein de tôles. Pour moi, c'est une canette. Hein. Ouais, c'est vrai. J'y avais pas pensé. C'est bon, ça. Ce bus-là, c'est un petit peu une entorse à tous les standards. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le combi, justement, c'est un peu une mode où les gens restaurent. Ceux qui sont à tout prix à cheval sur l'origine, voilà. Ils me gonflent sur les réseaux sociaux, ceux-là. Faut pas toucher, putain, faut le laisser d'origine. Et chacun vit sa passion comme il veut, ok. Donc, moi, clairement, voilà, c'est pas mon délire. Après, je peux comprendre. Chacun le sien. Voilà, je peux comprendre. Mais les on respecte ceux des autres, quoi, voilà. Qu'on leur délire. Et donc moi c'est un peu une entorse à tout ça parce que c'est vrai qu'aujourd'hui restaurer un véhicule comme ça c'est très cher. Ouais. Et moi déjà j'avais pas les moyens. Et je me suis dit, je suis sûr qu'on peut faire un bus fun, qui plaît, que les gens regardent aussi parce qu'on aime bien ça. Faut ouais, c'est pour partager. Et que les gens kiffent et avec un minimum de budget. C'est pour ça qu'on l'a peint comme ça, qu'il est rabaissé, etc. Et le moteur, bah, quand tu le vois comme ça, tu te dis, ouais c'est un petit moteur d'origine. Non, et en fait, pas c'est un petit moteur d'origine, en non. En fait, c'est un 2 litres qui fait 100 chevaux. Oh, sa mère, t'as mis 100 bourrins là-dedans alors qu'il y en a 25 à l'origine. C'est ça. Ah ouais. Donc, c'est Vilo 66 qui a fait le moteur. Et alors, il vient d'où? C'est un moteur de cox. C'est un moteur de cox. Troqué, d'accord. Ouais. C'est un moteur de cox, c'est un 1200 d'origine. D'accord. Qui fait 34 chevaux. Ouais. Et donc, c'est un vilebrequin à contrepoids qui est plus long. Mm-hmm. C'est des chemises de 1776. D'accord. Des culasses 1600 retravaillées avec des soupapes renforcées. Il y a un allumage électronique, c'est plus une dynamo, c'est un alternateur. Quand tu regardes bien la pipe d'admission, tu vois que c'est pas vraiment un diamètre d'origine. Non, pas du tout. Donc c'est un kit, ce qu'on appelle un kit iFlow. Ok. C'est un carbut 34 mais qui a été débusé. Donc ça correspond à peu près à un 37-40. Et alors, rabaissé, du coup, ce ne sont plus les suspensions d'origine non plus? Non, c'est une boîte de coccinelle longue. D'origine, en fait, les combis, c'était pressenti pour être soit chargé, soit monté à plusieurs. Oui, oui, on pouvait mettre 750 kg dans les certains utilitaires, ouais. Ils avaient fait ce qu'on appelle une boîte à réducteur. Une boîte à réducteur, c'est ni plus ni moins le même système qu'un dérailleur de vélo. Donc en gros, ton dérailleur de vélo, tu peux pédaler comme un fou. Ouais. Bah, il avance pas plus vite. Non. Et bah, c'est ce qui se passe avec ça. C'est-à-dire que si tu mets un gros moteur et une boîte d'origine, bah, il va hurler, mais il ne va pas aller plus vite. Okay. Donc on met des boîtes de coccinelle pour justement supprimer les réducteurs. Okay. Mais quand tu supprimes les réducteurs, bah, en gros un réducteur c'est un peu ça. Ça fait cette hauteur-là, donc c'est-à-dire que tu as ton arbre de roue qui arrive là. Oui. Et ta roue elle est là. D'accord. Donc quand tu enlèves le réducteur, bah, la roue est là. Ok, donc forcément il se rabaisse. Il se rabaisse. Okay. Donc après bah, tu te dis je vais rabaisser l'avant. Bah oui. Puis comme tu en veux toujours plus, tu rabaisses beaucoup et il frotte. Et là il frotte. Ah il frotte. C'est tout d'origine. Ouais. Avec une mini canette. C'est trop choupignou, c'est le même en bébé. C'est le même en bébé. Licorne pour toi mon cœur. Oui c'est choupignou. Voilà, hein. Tout a une histoire. La licorne, c'est la licorne de moi moche et méchant. Et qui a pris feu. Ah oui putain là le feu au cul. Le feu au cul. Ouais. Mais attends. Tout est en tôle. Métal. Tout est en tôle ouais. Merde. Si t'es du split c'est que tu peux aller te balader avec le pare-brise ouvert. Non mais carrément ouvert en plus. Et alors, t'as déjà conduit comme ça? Ouais. Et alors, c'est possible ou pas? Au-delà de 50, ça commence à être chaud. Ouais, compliqué. Ouais. Mais ouais. Au bord de la plage, franchement, c'est mortel. Ah ouais, ouais. C'est un compte-tour. Regarde quand j'ai le contact, comme une moderne. Waouh. Donc compte-tour, parce qu'ici, il n'y a que la vitesse. Ouais. Et un compteur kilométrique à 5 chiffres seulement. 5 chiffres, ouais. Et là, en miles, parce que c'est un modèle américain. Et il y a un autoradio cassette. Volkswagen. Volkswagen. S'il vous plaît. Ben oui. Eh. S'il y a quand même un truc à noter, la compacité du truc, c'est tout petit.
Est-ce qu'on va rouler? Eh ben, on aura encore plein de choses à raconter sur la route. T'as je n'ai jamais conduit ça de toute ma vie. C'est vrai. Tu t'es mis en position, est-ce que t'as besoin d'un coussin? Je sais pas, mais on les a emmenés, j'en mets des coussins. Ouais, même un rose. Putain, j'ai jamais conduit avec une boîte de vitesse comme ça, moi. Comment on fait? Première. Alors attends. Ok. Première. Oh putain, on n'est pas sorti de là, moi je te le dis. Frein à main. Ok. Frein. Oh putain. Deux. Voilà. Oh bah c'est super facile. Ah oui. Oh c'est génial, j'adore. Ce petit couinement va parfaitement avec l'auto. Ouais, c'est l'amortisseur qui est desserré. Va le perdre. 3. Je l'ai, je crois, non? Non. Non. Ah, elle est là-bas à droite. Merci, copilote de boîte. Je me décale. T'as vu, c'est coupleux, ça. Bah oui, parce que là, regarde, je suis en 3 complètement sous régime comme une merde là, et ça y va. Hein. Il y a combien de rapports? 4. 4. 5 avec la marche arrière. Oh, je reste en 3 là. Oui. Ça sert à rien de passer à 4. Non. Ça m'arrange. Putain, c'est fun. Et comment t'es tombé amoureux de ça en fait? Pourquoi? Mes parents se sont connus grâce à la coccinelle. Ah. C'est-à-dire que mon père a acheté une coccinelle en 1972. Je crois qu'il a ramé un petit peu pour avoir les yeux doux de la part de la vendeuse. D'accord. Et donc la coccinelle avait pas mal de soucis. Ok, donc il allait souvent en garage. Il allait souvent en garage. D'accord. Et si tu veux, l'anecdote a fait que je sais pas trop pourquoi je me suis pris d'amour pour cette voiture. Vas-y, freine un peu plus tôt, par contre. Ah, faut anticiper le... Ouais. D'accord, je suis arrêté, c'est bon. Ça ralentit. Après, il y a plein d'histoires en fait autour de la coccinelle. Ils sont tombés sur une 914 qui était accidentée. D'accord. Donc avec un moteur flat 4. Ouais, etc., ouais, ouais. Et qui à l'époque était un 2 litres. Et ils se sont dit, pourquoi pas greffer ça dans une cote? Mais pourquoi changer les freins? Et pourquoi donc? Ça ne sert à rien. Ça sert à rien, épuiser sans frein, c'est super drôle. Mais oui. Et donc, à peu près 50 bornes plus tard, ma mère a traversé le pare-brise de la coccinelle. Oh merde. Ils ont coupé une amie 8 en deux. Oh merde. Donc, y a on en rigole, mais tout le monde va bien, hein. Ouais, ma mère a quand même des balafres, là. Hein. Ah, quand même. Et donc, tu vois, il y a toujours eu cette anecdote de l'accident avec la coccinelle, la rencontre avec la coccinelle. Et donc, quand j'ai 18 ans, j'ai dit, bah, je veux une coccinelle. J'ai été à mon premier meeting, à l'époque, c'était Tenay, en 41. Ouais. Il y avait un combi, un split, posé dans le sol à l'accueil. Je suis arrivé, j'ai dit, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. En fait, en Europe, c'était déjà trop cher pour moi. D'accord. Et donc, j'ai commencé à prospecter aux US. Ouais. J'ai trouvé ce bus. À force de chercher, de trouver des combines, bah, j'ai réussi à le ramener. Et il est arrivé en janvier 2016. On va pas se mentir, il est un peu pourri. Mais pour moi, c'était le plus beau. Et mais c'est toujours le plus beau. C'est le plus beau, mais oui. Non, mais attends, s'il y en a un qui fait une remarque en commentaire parce qu'il y a un petit peu de rouille, il va se prendre une réponse digne de Jessica. Du mal à s'arrêter quand même. Ah ouais, non mais c'est pas le but, hein. C'est ça en fait. Non, vas-y. Je suis payante. Belle combi split, boîte auto. Boîte auto. Semi-auto. Semi-auto. Oh merde, premier. Oh putain, calage. T'as calé. Oh putain, premier. Que faire ça.
ça reste, voilà, je pense que dans la cabine là, on est plutôt en train de hurler que de parler, et je sais même pas si le son sera exploitable, tu vois. Si, il va l'être, me parle pas des problèmes de son, bordel. C'est quoi ton projet? En fait, quand j'ai ramené celui-là, il y a personne qui m'a vraiment aidé. Il y a beaucoup de gens qui font de l'import, ouais, qui proposent des bus à vendre, non. Mais moi, l'idée, c'est surtout d'accompagner les gens, c'est-à-dire de... D'accord, dans leur projet. Voilà, pas d'être un vendeur de combi, mais de proposer, voilà, de dire, ok, t'as trouvé un bus dans le Missouri, tu veux le ramener, bah, je vais te le ramener, je vais t'aider à le ramener. D'accord. L'homologuer aussi peut-être, et ou même pas. Bien sûr, faire la carte grise, faire les démarches administratives. Et après, peut-être pour les pièces, l'entretien, etc., s'il y a des choses à faire. Et après, pouvoir guider vers d'autres professionnels, en effet, pour pouvoir faire soit de la restauration. Donc c'est du conseil un peu, du conseil et de l'assistance. Voilà, ce sera du conseil, de la prestation de service. C'est bien ça, voilà. Tu sais comment ça va s'appeler? Je sais pas encore. Faut que tu mettes le mot canette dedans, hein. Je pense que ça serait bien, ouais. L'idée, c'est pas forcément de marcher sur les plates-bandes de ce des genre autres. De personnes-là qui est là depuis 20 ans. Ouais, c'est de rajouter un service supplémentaire. Voilà, et puis surtout aussi, voilà, de complémentaire, j'allais dire. De vivre de ma passion. Moi, mon métier, c'est musicien. Il est hors de question que je... Oh, vas-y, mets la marche arrière. Il est hors de question que je tire un trait sur ce qui me fait vivre depuis des années. Ouais, c'est clair. Qui est ma passion aussi. Et puis dedans, tu vas voir. Ah ouais. Vas-y. Marche, dis donc! J'ose pas là depuis tout à l'heure! Là, parce que comme ça prenne pas, j'y vais pas trop! Putain, il marche ton moteur! Où est-ce que tu prends le volant? Volontiers! Comme c'est un moteur refroidi par air, la turbine tourne grâce à l'alternateur. Ouais. Donc si t'as plus d'alternateur, t'as plus de refroidissement, ouais. Il faut s'arrêter. Donc là, ça veut dire qu'il faut s'arrêter. Donc moi, j'ai mon voyant d'alternateur, j'ai ma pression d'huile, je sais que si j'ai plus de pression, bah c'est pas bien. Moi, mon kiff, c'est de prendre mon bus, rouler. Et roule ma poule, quoi. D'aller d'un point à un point B, de pas foutre les mains dedans, et que quand je rentre, par contre, je mets les mains dedans. J'adore, c'est le petit trou à la pédale d'accélérateur. On voit la route. Et on voit la route. C'est juste extraordinaire, ça. À l'origine, il y a un petit sabot qui justement permet de ne pas voir la route, qui est aussi là pour protéger, tu mets le cylindre de frein. Allez, viens, on est bien là. Comment patron, comment t'as installé? Hein? Viens le patron. Ah ben ça fait plaisir. Tu vois, tu commences à... Tu changes en bien. Il a fallu attendre autant d'années. Alors, à l'en veut un, Maggie. Ben, ça m'étonne pas. Rose, tu nous entends pas ou quoi? T'es sourd? Non, je t'entends pas parce que... Ah oui, mais t'as le moteur dans le cul. J'ai le moteur dans le cul, si oui, enfin, s'il te plaît. Et ensuite, je suis quand même à 9 mètres de vous. Dans un combi, n'oublie pas. Oui, parce qu'il faut voir que les pédales rentrent dans le plancher. Oui, elles sont comme ça. Ouais, elles sont dans le plancher. Ah oui, pardon, excuse-moi. Assistant.
peut-être en 3. Hey, j'ai le droit. Hein. D'abord, hein. Attends. Tu garderas au montage, tu gardes au montage. Ah ben les calages, toujours, c'est une tradition. Là, non. Je te mets la première. Voilà. Vous êtes une grande famille en fait. Et donc l'histoire de la licorne, voilà, je suis parti en vacances la première fois avec le combi avec Jojo. Ouais. Et avec ses deux filles. Et on est allé à la fête foraine. Ah. Elle a gagné cette licorne. Et ben voilà. Et elle l'a mise là et elle a dit. Faut qu'elle reste ici. Faut qu'elle reste ici. Et comme je suis quelqu'un qui s'attache vite à de la merde, je me suis attaché à cette merde. Ça, qui met pas l'odeur de l'essence, il m'a donné un sac de lavande. D'accord. Ça, c'est une pote qui a fait les Beaux-Arts. Donc, il m'a fait un tout petit canette. Je pense que l'échelle, c'est du 1/60, tu vois. Ok, d'accord. Je me suis pointé, j'étais garé, je me suis pointé, il y avait une rose sur la porte. J'ai trouvé ça drôle.